Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on est lundi, que vous avez passé un super week-end, je suis super contente de vous retrouver. Et pour attaquer cette semaine, qu'est-ce que je vous propose? Un challenge Skull Power. Alors là, vous allez voir, la totale. On va travailler avec le chrono, mais pour l'instant, il y a échauffement. Vous me suivez? Allez, c'est parti! On se place tranquillement sur son tapis ou sur le sol, comme vous voulez. Pointe de pied écart, on fléchit, on serre le dos, on relâche les bras. Et on y va pour les enrouler l'épaule. Allez, tranquillement. Inspirez, soufflez. Voilà, on s'installe dans la séance. Enroulez bien les épaules. Respirez bien dès le début. Et on y va. On enroule les bras. Inspirez, soufflez. Fléchissez bien les jambes au retour. Voilà, 5 minutes d'échauffement pour enchaîner derrière. Alors, le challenge, c'est quoi, Skull Power? C'est 2 minutes sur chaque exercice. Vous tenez la position ou le mouvement, d'accord? Vous n'avez qu'à faire l'exercice et vous vous laissez guider. Du bonheur. 4, 3, 2, le dernier. Main à la taille, tape au sol. Tap, tap. Fléchissez sur les jambes. Inclinez légèrement le buste vers l'avant. Serrez abdos et allongez les bras. Allez, on y va. Donc, une demi-heure de pur bonheur, comme d'habitude. Encore. Je sais qu'il y a des groupes qui se joignent le soir, après le boulot, le télétravail, pour faire leur sport. Je trouve que c'est une super idée. Allez, allez, charade. Tout le groupe. Ok, talons-fesses, les deux bras que je ramène. Tirez les coudes vers l'arrière. Maintenez la position. Restez encore, même quand il n'y a pas de musique. On reste sur le mouvement. Soufflez bien. 4, 3, 2, et jambes tendues, côté, les mains à la taille. J'allonge bien, je garde le buste haut, je contracte mes abdominaux. Vous allez en avoir besoin pour tout à l'heure. J'espère que vous avez fait quelques séances ce week-end, seul ou en famille, hein? Ok, on double le mouvement, c'est parti. 1, 2, et je change. Encore. Et fléchis sur la jambe d'appui. 4, 3, 2. Et on va monter les genoux un temps alterne. Ramène les mains au niveau des cuisses. Garde le buste droit. Allez, on respire bien. Le cœur commence à monter. On commence à se sentir légèrement essoufflé. C'est ça que je veux. Deux temps. C'est parti. 1, 2. Maintiens, reste punchy, hein, du début à la fin, avec moi, toujours à fond tout le monde, je suis fière de vous, allez, plus que 4, 4, 3, 2, et revenez en tape, c'est parti, main à la taille, et là je tape la pointe de pied derrière, voilà, regardez le profil, je tape la pointe de pied vers l'arrière, encore. Respirez bien. 4 fois. 4. 3. 2. Et là, je décolle ma jambe. C'est parti. Allez, on allonge les bras. Allez, on est joueur. Étirez bien. Étirez. Encore. Respirez. Et on va passer aux deux temps. C'est parti. Deux temps. Posez le pied. Voilà. Donc, les 10 exercices. Sur 2 minutes, je vous les donnerai au fur et à mesure, ok? Comme ça, pas de panique à bord, avant d'attaquer, et vous allez voir, ça va le faire. Ok, vous relâchez, vous trottinez sur place. Allez, on trottine, bien les bras dans l'axe, respirez, et 2 impulsions, 1, 2. Allez, on fait monter un peu plus le cardio sur la fin de l'échauffement, pour être directement en jambes, en bras et en abdos. Sur la séance. Et là, je monte. Le genou de temps. Restez gainé. Encore. Respirez. Travaillez bien avec le bras opposé, vous voyez. Allez, plus que 4. 3. 2. 1. Et trottinez sur place. Vous soufflez un petit peu. Vous inspirez. Vous soufflez. Encore une fois. Inspire. Et tu souffles.
Super, ça va? On garde le cœur haut, on enchaîne directement, on voit un petit peu quand même. 5 minutes pile poil d'échauffement. Premier exercice, donc je prends mon chrono. Ne regardez pas votre chrono, concentrez-vous juste sur vos postures, d'accord? Je vais vous donner des indications pour votre placement, des options plus faciles ou plus difficiles. Chacun fait comme il peut à son rythme. Ok tout le monde? Allez, on va commencer. La base, gainage, planche, appui avant-bras, pointe de pied. Je déclenche le chrono. Prenez le temps de vous installer. Allez, je rappelle, les coudes sous les épaules, les paumes de main à plat, en place. Allonge à droite, allonge à gauche et c'est parti. Go! Donc là, vous êtes dans la posture. On regarde le sol, on se place bien. On va tenir 2 minutes. S'il y a un moment donné, c'est vraiment impossible, vous montez légèrement le bassin. Et si c'est encore impossible, vous posez les genoux et vous décollez les pieds, ok? Par contre, vous contractez un maximum. Je vais vous donner l'indication toutes les 30 secondes. Respirez, ça tombe bien? On est à combien? 30 secondes. C'est long déjà, vous trouvez? Alors, vous pouvez poser les genoux. 2-3 secondes et repartir, d'accord? Et vous faites ça tous les 10 secondes. Respire, souffle bien. Placez bien les coudes sous les épaules. Allez, on est ensemble, comme je dis, dans le même bateau, d'accord? Serrez. C'est pas juste se positionner dans la posture, il faut contracter un maximum, d'accord? Absorbez le nombril, vous décontractez et respirez. Allez, on est à la moitié. C'est pas gratuit, hein? Si on veut flamber sur la plage, allez, serrez, serrez. Encore. Allez, chérie, reste 45 secondes. Sur les genoux, si c'est trop dur, les filles, les gars, pas de problème. Tenez, tenez. 5. Allez, mon groupe d'abdos, je sais que vous êtes capables. Allez, reste combien? Combien? 30 secondes, vous avez raison. Si tu as trop mal au bras, avance un peu plus sur tes pointes de pied. C'est que tu es trop en arrière, comme ça. Avance bien sur les pointes de pied et serre. Là, normalement, tu vas faire le dos. Allez, 15 secondes. Respirez. C'est le challenge, hein. Après 3 semaines ensemble, il y a un test. Eh ouais, on n'est pas cheminés, les chéris. 3, 2, 1, et je relâche. Récupérez, soufflez, vous déroulez tout doucement, enroulez l'épaule et revenez debout. Tout le monde va bien, je bois un petit peu d'eau. Le deuxième, number two, vous avez toujours 30 secondes de récup entre chaque, hein, ne vous inquiétez pas. Travail de squat, mais les squats écart. Je pousse mon tapis, je vous montre, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, on protège les genoux. Je descends, vous voyez, j'incline le buste vers l'avant et je descends cuisse à 90. Je suis jambes écart et je serre mes abdos autour. En place tout le monde, on repart sur 2 minutes. Allez, on se positionne, on prend le temps. Je déclenche, yes, c'est parti. Allez, tranquillement, par contre vos mouvements, pas trop rapides. Hein, allez chercher la fibre musculaire en profondeur. Attention, vérifiez vos deux pointes de pied. Bien vers l'extérieur. Oui, les jambes bien écart, hein. Les jambes encadrent bien le bassin. Et regarde là, contracte, abdos et fessiers. Contracte, voilà. 30 secondes les chéris. Allez ma jambe. C'est ma copine d'Abidjan. Alors il y a aussi les gens du Canada, de Germanie, pas Allemagne, incroyable, ça motive tout ça, moi aussi ça motive, prenez le temps, allez on arrive bientôt à la minute, redressez-vous bien d'accord, et poussez bien là, le bassin dans les talons, alors si ça commence à devenir trop difficile, regarde, petite flexion, pas trop bas, tu vois, petite flexion, hein? Et nous par contre si on est plus à l'aise, on va chercher plus bas. C'est une séance qui s'adapte à tous les niveaux. Pas de problème. Respirez. Ah oui, le chrono, vous voulez savoir? Je pars, je réfléchis. Allez, il reste 35 secondes.
Respirez. Serrez. On sent bien là, hein? Les cuisses, les fessiers. Ouh! Gardez le rythme. Voilà, redresse. Allez, encore. Allez, mes filles, mes gars de canal. On lâche pas. 15 secondes. Allez, respirez. Yes. Plus que 3, 2, un dernier. Ah, et vous revenez. Ok, marchez, 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 marchez. Difficile? Non. Allez, on boit. On boit à chaque fois entre les récup. Je vous montre le prochain, d'accord? Alors, vous êtes en appui. J'en mets mon chrono, point zéro. On est dans 10 secondes sur le départ. Je me mets en appui, bras tendus, pointe des pieds, d'accord? Sur le sol. Je vous montre, regardez. Je garde les bras tendus. Je décolle bien le bassin et je ramène. Par contre, je ne pose pas les genoux, ok? 4, 3, 2, c'est parti. Monte et reviens. Le fait de monter le bassin, ça va vous soulager les bras, ok? Par contre, au bout d'un moment, si ça commence à être trop difficile, vous posez les genoux, bien sûr. On n'est pas chez mémé, mais il ne faut pas exagérer quand même, hein. Par contre, serrez les abdos, contractez votre planche abdominale. Encore. Allez. On est à 30 secondes. Lâchez pas, bras tendus. Poussez bien sous vos mains. On est sur la troisième série. Mais oui, vous allez tenir les 10, ne vous inquiétez pas. Ensemble, on fait beaucoup de choses. Allez, respire, on arrive bientôt à la minute. Monte bien le bassin. Il est hyper complet celui-ci. Ouh! J'ai une bonne nouvelle. Vous savez quoi? On est à la minute. Si c'est trop difficile, tu fais une pause. C'est-à-dire que tu poses le bassin sur les talons, tu allonges les bras, maintenant, et tu repars dans 10 secondes. Je te redonne le départ. Ça, c'est l'option avec la pause. Attention, tu es prêt, tu repars pour les 30 dernières secondes. C'est parti si tu as posé. Allez, il nous reste 30 secondes. On n'a rien sans rien, hein, c'est pas gratuit. Serre abdos. Montez bien le bassin, voilà, pour soulager vos bras. Allez, je sais, ça c'est mal là au bras, je sais. 15 secondes. Allez mes chéris. C'est quoi là? On relâche pas, on relâche pas, je vous vois. Ouh! 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. Regardez l'étirement. Soufflez, étirez, croisez le bras, replacez, croisez l'autre bras, replacez, déroulez tout doucement, enroulez les épaules et revenez. Number 3, on passe à la number 4, tout le monde va bien? Non? Je sais. Allez, on boit. Santé. On garde le rythme par contre, d'accord? Pour qu'on garde, hein, le bénéfice de la séance, on garde le rythme. On y va, fente arrière, je monte. Je pose, je ramène et je pose. Alors, soit tu vas chercher bien bas si tu es à l'aise, sinon pas trop bas, d'accord? Légère fente. En place, moi je me place de profil, regardez. Pied largeur bassin, go, c'est parti. Allez, je ramène. Prenez le temps. Ne revenez pas trop vite. Ce qui est important, c'est de garder le buste droit. Et poussez, vous voyez, le bassin vers l'avant quand vous descendez sur la jambe arrière. Allez, regardez loin devant. Respirez bien. Super tout le monde. On arrive aux 30 secondes. Donc même chose, si c'est trop difficile, tu descends moins bas. D'accord? Et si c'est encore trop difficile, ce que je peux comprendre, tu fais une pause. À la limite, mais essayez de repousser vos limites, hein. Je suis là pour ça, moi. Ouh! Pour vous vider la tête. Encore. Allez, respire.
Garde ton rythme. Tu alternes, hein? Allez, on est à combien? Une minute. On est bon, là. Ça tire un peu les cuisses, je sais. Respire. Tu vois, tu prends un rythme et tu maintiens le rythme. Tu maintiens la cadence. Ouais. Allez, super ça. Ça va, mes filles? J'entends pas. Ça va, les filles? Ouais, on fait une battle. Alors, attention. Ça va, les gars? Ah ouais, c'est égalité, hein, ça crie autant. Ça va, les gars? Bon, les filles, je crois qu'ils nous ont un peu dépassés, mince. C'est comme dans les cours, hein. Dès qu'on fait des battles, allez, 20 secondes. Restez dans le rythme. Courage, allez chercher, allez chercher. Sur les 20 dernières secondes, c'est là où c'est intéressant. 10 secondes, même pas. Allez, allez, allez. Garde le rythme. 3, 2, 1, la dernière. Et je relâche. Libérez un petit peu vos jambes. Soufflez, soufflez. On n'étire pas encore. On étire à tout à la fin. 9 bar 4. On passe au cinquième. Après solution, on a la moitié. Déjà, déjà. Ok, on reste dans le rythme. Allez, là je vous montre. Je mets mon tapis comme ceci. Pourquoi? La question. Sur les genoux ou sur les pieds. Les pompes. Par contre, regardez. Je pivote. Petite flexion. Je reviens au centre. Petite flexion. Je pivote. Petite flexion. Vous êtes prêts? Go, c'est parti. Petite flexion. Je pivote côté. Alors, soit vous êtes en appui sur les pointes de pied. Ça, c'est pour les gens forts. Hein. Moi, je ne suis pas forte. Hein. Sur les genoux, ce sera suffisant. Allez! Alors, et sinon, légère flexion. Ou vous descendez beaucoup plus bas. Hein. Ça, c'est vraiment chacun votre rythme, votre niveau. Prenez le temps de descendre une fois que vous êtes installé dans la posture. Vous voyez, vous n'allez pas trop vite. Ça, je descends. Je pivote. Je descends. Super! Ouh! Pour info, vous êtes à 40 secondes d'effort. Allez, là, il faut contracter un maximum. Vous pouvez poser les pieds ou les décoller. Mais pour pivoter, c'est plus simple en décollant vos pieds. Allez, courage. Hein, si c'est trop difficile, vous faites une pause à la minute et vous repartez 10-15 secondes après. Ah, dis donc, je trouve que je suis trop gentille, moi. Franchement. Non? Oh, bah si. Serrez vos abdos, les chéris. Allez, allez, on est à combien là? Je regarde. Wouh! Il vous reste 45 secondes. Gardez votre rythme. Voilà. Serre, serre. Ça tire les bras, je le sais. Les mains. Bien dans l'axe des épaules. Hein. Pas trop large. Ouais. Courage. Après celui-ci, on est à la moitié. Ok? Allez, je vais vous donner le temps qui reste. Là, on est sur la fin, on lâche pas. Le temps. Il vous reste 15 secondes. Allez, courage. Encore. Respirez. Respirez. 5 secondes. 3, 2, 1. La dernière au centre, tous ensemble. Allez, et vous revenez. Yeah! Vous allez bien? On est à la moitié. Que du bonheur. On passe un petit peu de cardio. Allez, buvez un petit peu d'eau. Je réinitialise. On est à 5 déjà. Je suis fière de vous. Vous continuez comme ça. On passe à la 6e. Je vous montre. Vous regardez. Deux impulsions. Et je pousse sur l'extérieur. Deux impulsions. Ça fait 1, 2 et je change. Hein, je ne cherchais pas à faire grand écart facial. À juste pousser vers l'extérieur. 2 minutes, je sais c'est long, mais on y va. On est quoi? On est pas cher? Mais c'est parti! Voilà, soyez dans le contrôle. Hein, on se grandit, on va pas trop vite. Soufflez, voilà, contrôle. Restez gainé, surtout. Oui! Allez, allez, allez. Encore. Travaillez bien, bras devant, bras derrière. Hein, équilibré. Voilà, j'ai la jambe droite devant, j'ai le bras gauche devant. Encore. Respire. Pour info, 30 secondes pile.
Allez. Hey. Restez sur l'avant du pied. Attention à vos tendons. Cherchez pas à trop monter. Simplement, pousse sur l'extérieur. Petites impulsions légères. Voilà. Là, on réchauffe un peu le corps. Allez, allez. Respirez. Après les squats et les fentes, on sent un petit peu nos cuisses. Que du bonheur. Allez, on a la moitié. Ouh. Encore. Respire. Grandis-toi. Serre les abdos. Yes. C'est bien ça. Garde ton rythme à toi. Travaille bien sur ton rythme à toi, surtout. Allez, allez, 30 secondes. Ça va? J'entends rien. Ah, je suis rassurée. Vous pestez là? Non. Et moi, je suis avec vous, hein, je vous vois. Hein. J'ai des webcams partout chez vous. Oh, ça serait bien. Encore. Qu'on fasse le sport ensemble. En se voyant réellement. 10 secondes. Wouh! Ça! Allez, on va le chercher jusqu'au bout, on se grandit. 3, 2, 1. Ok! Super, soufflez un petit peu. Allez, il nous reste 4 exercices, d'accord? On ne lâche pas. On est au bout là, on est à plus que la moitié. Ok, vous revenez sur le sol. On passe à une série d'abdos. Par contre, là, vous avez le droit de bien sûr poser la tête, hein, pour bien relâcher vos cervicales. Je vous montre. Je suis bras tendus, jambes à 90. Je monte, je ramène le buste, le bassin. Je pose la tête, bras tendus et j'allonge. On y va. 4, 3, 2, c'est parti. Je monte doucement et j'allonge. Voilà. Voilà, étirez bien, hein. C'est important dans cet exercice de garder plaqué le bas du dos sur le sol. À l'aller, maintenant, comme au retour. Si vous cambrez, vous allongez un peu plus les jambes en haut, d'accord? Sinon, si vous êtes à l'aise, tu peux descendre un peu plus bas, bien sûr! Les options, c'est dans les deux sens. Ouh! Allez, respirez. On est bientôt à la moitié. Encore. Montez bien le buste, le bassin et allongez sans cambrer. Hein, souvent, on relâche à la descente. Mais là, je veux que vous gardiez vos abdos contractés. Ouais. Vous êtes à la moitié. Allez, mes chéris. Donc là, vous pouvez poser une quinzaine de secondes si c'est trop dur. Hein, et vous repartez dans 15 secondes. Pas de problème. Allez, allez, allez. C'est la fin de la septième, là. Respire. Encore. Oui. On est à combien, là? Il nous reste 30 secondes. Si vous êtes à l'aise, allez chercher un peu plus bas, vous voyez? Par contre, il faut serrer un max, hein. Ne cambrez surtout pas. Hein. Vous protège toujours ses articulations et ses lombaires, son dos. On travaille intelligemment. 10 secondes. On est joueur. Je bloque. Je bloque. Je bloque. 3, 2, 1. Fléchissez. Ramenez. Et venez vous rasseoir. Ça pique? Pour moi aussi, je vous rassure. Allez, soufflez. On est à 7. Ça va? Hein? On est à 7. Il nous en reste 3. Allez, soufflez. Donc, on est à 7, 2. La fille, elle ne sait plus compter. Donc, 7, 1. On y va? La suite, je vous montre. Alors, tout à l'heure, on est parti jambes écart. Là, on va partir exactement de la même manière. Sauf, je vous montre de profil. On vient croiser les bras, on descend. On va rester fléchi et pousser le bassin vers l'arrière. Pourquoi? Là, vous allez bosser cuisses, adducteurs, fessiers. Tout à l'heure, on descendait à la verticale. Là, je suis fléchi et je pousse le bassin vers l'arrière. 3 en 1, celui-ci, je l'adore. On est prêt, on s'installe?
4, 3, 2, c'est parti. Allez, prenez le temps. Voilà, les jambes écartent. Encadrez bien le bassin de vos jambes. Hein, les pointes de pied vers l'extérieur. On protège ses genoux. Et là, je serre. Hein. Vous êtes encore serré des abdos par rapport à l'exo d'avant? Bon, ça va, je suis rassurée. Eh, figurez-vous, on est déjà sur le 8e exercice. Ça passe vite le temps avec vous. Encore, poussez bien les fessiers. Vous voyez, je ne reviens pas. Hein. Je reste fléchie, je pousse vers l'arrière. Et là, je reste fléchie. Ne grugez pas. Hein. Je vous connais certains. Ouais, ouais. Allez, allez, allez. Là, vous allez commencer à bien sentir vos cuisses. Et vous allez voir, les fessiers vont arriver. Ouais. Respirez. Serre abdos. Allez, pour info, on arrive à la moitié. Allez, on tient. Ensemble. Tout ça, c'est pour vous occuper l'esprit, vous rappeler vos postures. Attention, parce que souvent, dans l'effort, on perd la lucidité. On pense juste à la douleur et on oublie bien de se placer. Serre abdos. Allez, vous allez sentir là bien vos fessiers. Que du bonheur. Ouh. Allez, après le confinement, vous allez me revenir mais encore plus au top. Gardez le mouvement. Allez, pour info, il nous reste combien? 20 secondes. Allez, courage, redresse un peu le buste si ça tire trop au niveau lombaire, parce que vous bossez aussi vos lombaires. Hein, directement. Allez, pousse fessier vers l'arrière. Il est bien celui-ci, 8 secondes, je l'adore. Ouh! Attention, 2, 1, et vous revenez. Ça va? Libérez les tensions. Lancez vos jambes, buvez un petit peu d'eau. Allez, il nous reste 2. 2, c'est rien, ok? Ensemble. Alors, je vous montre la suite. Vous connaissez les clapins? Ah, vous dites, ah non, pas ça maintenant. Bah, si. Alors, je vous montre. Placez-vous avec moi sur le tapis, les mains. Dans l'axe des épaules, vous allongez les jambes, là je serre mes abdos. Je ramène genou, je pose. Je ramène genou, je pose. Si ça devient trop difficile à la fin sur les bras, vous posez avant-bras, vous montez un peu le bassin et vous ramenez. Ok? Mais on essaie de tenir un maximum sur les bras. C'est parti mon kiki, go! Allez. Prenez le temps. Ne montez pas trop haut. Votre bassin, sauf si ça vous fait vraiment trop mal, vous montez un petit peu, ça vous soulage les bras, d'accord? Et vous serrez vos abdos. Sinon, vous contrôlez la posture, dos plat. Allez, on est sur l'avant-dernier. Donc au bout d'une minute, même avant pour ceux qui veulent, vous pourrez continuer le mouvement, mais en posant les avant-bras. Et sur la fin, vous pourrez terminer bras tendus. D'accord? Allez. Soufflez. Allez, on arrive dans 15 secondes à la moitié. On lâche pas, hein? C'est un challenge. On lâche pas. Allez, on est des guerriers ensemble dans le même bateau. Donc là, vous êtes à la minute. Je vous ai dit, vous pouvez poser les avant-bras un petit peu. Regardez, montez le bassin. Gardez bien les coudes sous les épaules. Vous prenez un petit peu d'air sur cette posture et vous repartirez quand vous le souhaiterez sur les mains. Je sais, je suis les chats, mais vous adaptez. Allez, pour info, il reste 40 secondes. Allez, on va faire un truc. On va crier tous ensemble à mon top go, d'accord? On est pas chers? Mais ça va. Allez, si on est bien, on accélère. Allez, on accélère. Combien il reste? 20 secondes. Allez le chercher. Mon groupe du bootcamp là. Du lundi soir. Je vais pas vous lâcher à mon retour là. Hein? 10 secondes. Allez le chercher. 5. Encore. Encore. Stabilisez. Et relâchez. Alors là, je suis fière de vous. C'était très difficile comme exercice. Allez, étirez. Et déroulez.
Heureusement, il en reste qu'un, hein. Je sais. Allez, soufflez, soufflez un petit peu, buvez. Je vous explique le dernier. Le dernier. On va partir. Vous pouvez travailler sur vos tapis pour bien amortir au niveau des genoux et de votre dos. On va partir. 15 secondes, montée de genoux. 15 secondes petit. 15 secondes montée de genoux, 15 secondes petit. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite. On y va, on garde le rythme. Allez, c'est parti. Tranquillement, je monte bien les genoux. Allez, respirez. On essaie d'être tous ensemble jusqu'au bout, d'accord? Grandissez-vous bien. On n'est pas en French encore, on ne monte pas trop haut, regardez. Attention. C'est parti, on accélère. Là, je ne monte plus les genoux, je vous montre. Par contre, je suis très tonique. J'accélère mon pied au sol. Et regardez les bras. Allez, allez, allez. Là, on accélère le cardio. Attention, je repars. Hein, c'est du 15-15 sur 2 minutes. Ce qu'on appelle un fractionné. Ça, pour brûler les graisses, c'est rien de mieux. C'est le top, c'est le dos. Allez, allez. Tous ensemble, c'est parti. Allez, allez. Ça va? Wouh! Encore, 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 encore. On arrive à la moitié. Allez, respirez, respirez. Si c'est trop dur, tu fais une pause sur 15 secondes. Allez, c'est parti. Là, tu fais une pause si c'est trop difficile. Sinon, tu maintiens. Allez, dernière minute de la séance. C'est le dernier 100 mètres, la dernière ligne droite. Ouh, c'est parti. Allez, allez, allez. Allez, cherchez. Bien sur l'avant du pied, serre le dos. Allez, accélère encore. Accélère-moi tout ça. 3 secondes, il reste 30 secondes, c'est parti. Allez, 15 secondes, genou haut. On accélère, genou haut. 30 dernières secondes. Allez, au mental. Allez, cherchez, vous êtes avec moi là. Je suis avec vous. Je suis avec vous dans 5 secondes. Sprint de finale, c'est parti. Allez, j'arrive vers vous. On est là, on est là. Encore, encore. Il reste combien? 5. Accélère, 3, 2, 1, ok, vous êtes au top. Je pose tout, je m'incline, je vous applaudis, bravo. Ça va? Vous êtes fiers de vous? C'est important d'être fier de soi après chaque séance. Moi, je suis fière de vous en tout cas. C'était une séance très punchy, mais il en faut de temps en temps. Ça vide la tête et ça fait du bien au corps. Tout le monde va bien, vous prenez un petit peu votre souffle, vos esprits, vous buvez, on traque. À la vôtre, bravo encore. Je vous propose un petit retour au calme. On est à 33 minutes. 3-4 minutes de retour au calme. Ok? Allez, on se place tranquillement. Allez, les jambes légèrement en ouverture. On incline. On inspire, on souffle. Laissez aller. Très bien. Étirez bien pour éviter d'avoir trop de courbatures et me haïr demain. Voilà. Dernier. Ok, on y va, on inspire, on délie tout le haut du corps, on souffle, le retour. Encore deux fois. La dernière. Ok, on y va. Restez, tirez bien, poussez bien avec la main pour que le bassin passe vers l'autre côté. Voilà, et revenez. Allez, poussez bien le bassin. Regarde vers le haut. Ah, ça fait du bien là. Le cœur est redescendu, ça va tout le monde? Hein, normalement, vous récupérez assez vite. Hein. Le challenge power sculpt 2 minutes. On s'en souviendra, on va le refaire, vous inquiétez pas. On allonge les coudes à l'intérieur. Allez, tirement des adducteurs qui ont bossé. Ok, posez les mains, laissez glisser les jambes. Et là, vous alternez, droite et gauche. Tranquillement, étirez bien la jambe, l'intérieur. Encore. Dernière. Revenez au centre. Relâchez complètement. Relâchez. Et là, vous déroulez. Déroulez. Enroulez épaules, fléchissez, ramenez les pointes, les talons. Ok, on étire les cuisses. Le bras vers le haut. Bras opposés, j'attrape mon pied,
et je ramène. Je pousse le bassin vers l'avant tout en ramenant le talon au fessier. Voilà. Là, celui-ci, il va vous faire du bien. Encore, on reste un peu plus longtemps. Grandissez-vous bien, même sur l'étirement. Et relâchez, on change. J'attrape mon pied et je m'installe tranquillement. Tu peux poser la main contre un support, un mur ou une chaise, hein, si tu n'y arrives pas au niveau équilibre. Et tu ramènes bien le talon. Vous sentez bien l'étirement là normalement. Ok, vous relâchez, posez. Les mains à l'intérieur, je fléchis, j'inspire de plat. Je souffle le dos, relâchez la tête. Je me place de profil. On va le faire encore trois fois. Inspire de plat, étire la colonne. Souffle de rond. Inspire de plat. Souffle de rond. Dernière. Inspire de plat. Souffle de rond. Déroulez tout doucement. Enroulez épaule vers l'arrière. On terminera là-dessus. Dernier. On inspire. On souffle. On étire un maximum. Le ventre. Le dos. Vous vous stabilisez. Et vous relâchez. Bravo à tous. J'espère que vous avez bien apprécié la séance. Je suis sûre que vous avez super bien bossé. Là, il fallait du mental. Mais bon, je sais que vous êtes là. Écoutez, quatrième semaine ensemble. On est reparti pour de nouvelles aventures. Je suis fière de vous. N'oubliez pas, on n'est pas chez mémé. Et puis, à demain. Je vous aime. Ciao !